Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de jeu... Pas de jeu offert, non, de découverte de jeu PlayStation 5, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va se retrouver à tester Yakuza Like a Dragon. Alors, Yakuza, ça fait partie d'une grosse série de jeux qui existe depuis, oh putain, je sais plus combien d'années, sur, en tout cas sur PlayStation 4, ça c'était sûr. Il y a eu pas mal de nouveaux de jeux différents, pardon. Alors je sais plus exactement combien. Et pour tout vous dire, je n'en ai jamais testé aucun. Et aujourd'hui, ce jeu fait partie des jeux qui sont sortis sur PlayStation 5, alors parmi le peu de jeux qu'il y a sur PlayStation 5. Donc c'est l'occasion pour moi de vous le présenter. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc on est vraiment sur un jeu qui est dans son CD, hein. C'est pas une démo, c'est pas un jeu offert ou quoi que ce soit, c'est un jeu qui est sur son CD, pardon. On va se faire le jeu comme on le fait d'habitude, en mode level 1, et tester un petit peu ce qu'il y en a pendant une petite demi-heure. On va voir un peu ce que ça donne. Alors attendez, oula, il y a beaucoup de choses, nouvelle partie, mini-jeu VS, machine à sous, paramètres, revoir l'événement, donc alors je sais pas ce que c'est, alors paramètres, voyons voir un petit peu. Paramètres déjà. Alors pour info, alors attendez, j'imagine paramètres audio. Alors c'est pas là. Langue de l'audio. Alors voilà, ça par défaut au tout début du lancement du jeu. Alors c'était au tout début les quelques images qu'il y a eu. On nous propose de mettre la langue de l'audio soit en anglais soit en japonais. Et évidemment, compte tenu de l'ambiance du jeu, ça me semble tellement plus cohérent de rester en japonais. On va rester et on va se mettre en français évidemment. Jusque là tout va bien. Bon, on va rester là-dessus. On verra un petit peu si on a l'occasion de faire des mini-jeux, machines à sous, etc. Voir ce qu'il en est. Allez, les règles de la musique, on s'en fout, on ne change pas. Ce jeu utilise OK, de la PlayStation 5. Merci de soutenir en remerciement, voici un cadeau, OK. Donc, c'est le studio de développement. Donc c'est un jeu Sega, hein, bien évidemment. Ceci est une œuvre de fiction, le nom de personnage est exactement comme d'habitude. Patin, Couffin, vous connaissez... Ah, peut-être une petite thématique, on va couper. ここ夢の中で抜いたことか。責念の裏に今こそ晴らさん。貯蔵財な。手ごめにしてやれ。女ごときに俺が切れると思っているのか。
Nasumi. Kami Fubuki wa kiri owatta no kai? Iie. Mada. Nani chintara shiten da? Ashita no asa ni wa Osaka ni shuppatsu da yo. Chotto ninki ga deta dake de mou kanban kidori kai? Kore pochi no kane de kanchigai mo taigai ni shina. やるんじゃないよ、ガキのくせに。なんだい、その目つき。それが母親に対する態度かい？今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、 よこ。 あんたに指図される筋合いはないよ。誰が工業を取ってきてると思ってんだい。ドラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？ まあ、もんか。大丈夫か、マスミ。 紙吹雪は心配するな。明日トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？うん。 Très très longue cinématique. Est-ce que c'est encore une cinématique? Je sais pas. Eh oui, encore une cinématique. Bon, bah on va revenir alors. Souda Masumi. Yokohama no gakkō no tomodachi ni wa chanto owakare itta no ka? Tomodachi nante inai yo. Itsumo 1 kagetsu de tenkō da kara ne. Nakayaku naru dake muta da yo. 寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、それは絶品らしい。 でも絶対に高いよ。中華料理の王様なんて。いいんだよ。今日は特別な日だろ。 OK. Ah ben non, toujours pareil, on est toujours dans la cinématique apparemment. Ah non, attendez, peut-être pas la cinématique. On va peut-être jouer. Non non, on est dans la cinématique. On va encore couper. Oi oi, Masumi. メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか。こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくれ。Bon, alors j'ai pas encore vu ce qu'il y a là-dessous, mais ça sent pas bon pour le. Ouais, c'est bon. Peut-être un serpent ou un truc qui. Ouais, c'est bon, il va se faire tuer. Qu'est-ce. Oh non, ça va. Enfin, il va se faire tuer, mais. Ah putain, vous êtes pas obligé de le montrer en train de pisser. Il pourrait être en train de se laver les mains. Sans déconner. C'est abusé.
Bon, j'imagine, il va se faire tuer, le mineur va faire une enquête et ça me semble. Tosan? Dans les Yakuza, enfin, je sais pas, j'en sais rien, on va voir. Tosan? C'est pas la grande forme pour papa. Hein. Ah, une petite ellipse temporelle. Une grosse ellipse temporelle. Au moins une bonne vingtaine d'années pour. Oh là, ouais, même plus peut-être. Peut-être ouais, 20, 25 ans de plus. Quel âge il devait avoir 15, 15, entre 15 et 20 ans. Et là, il doit avoir au moins 45 ans. Donc il y a au moins 25 ans d'ellipse temporelle, je dirais. Peut-être même plus encore. Bon, la cinématique est très longue. On en est en haut. Alors, Masumi, Hirakawa, patriarche, sa famille. D'accord, ok. La cinématique est extrêmement longue. Après, moi, le côté japon, ça me parle, j'aime bien. Ok, on nous présente tous les personnages comme ça. Donc, ils sont tous de la branche du clan. J'ai pas vu, mais du clan. Oh, il a l'air de se faire chier, le gars. Bon, ça a l'air d'être long le temps. Ah, oh, putain, encore de la cinématique, c'est pas possible. Putain, c'est long. 13 minutes. Ah, ça y est, je joue. Amen. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Poursuite vos des voyous, rien ne vaut une bonne poursuite. Parcourez les villes, la ville sans percuter d'obstacles et appuyez sur les touches qui s'affichent à l'écran pour rattraper votre cible. La jauge de distance vous indique la distance maximale à laquelle vous vous trouvez. Ok, ça sent le QTE ça. Ça sent le QTE. Ça sent le QTE. Ah, façon Shenmue, pour ceux qui ont testé Shenmue. Mince, j'ai pas réussi à faire le truc. Ouais, ça, ouais, c'est du vrai QTE quoi. Il a glissé pourquoi? J'ai pas vu. Je suis fatigué, rien que de le voir courir. Ah, ah, petit freeze. Ah non, ça va. J'ai bien essayé de planter le jeu. Non, ah, mais dis pas que c'est la cinématique! C'est une blague! Putain, y'a que de la cinématique dans ce jeu, c'est pas possible! Ferme les yeux, t'as des grands yeux toi! Chemise ouverte, chair à mort qui brille. Tu serais pas marseillais? Ah, t'as chaud, hein? Inspire. Bon, graphiquement, c'est pas une claque, hein, franchement. Hein. Visuellement, ça, c'est un vrai jeu PS5. Alors, pour info, c'est pas un jeu PS4 que je fais tourner sur la PS5. C'est nativement de la PS5. Regardez, je vais vous montrer même. Hop, regardez. Je sais pas si vous voyez. Voilà. La jaquette. On est sur un vrai jeu PS5. Ah, il va y avoir du fight. Il va y avoir du fight. Alors qui j'interprète, le gars en rouge ou le blondiné là? Même pas du saigne. 15 minutes, on a quasiment pas joué. Ok. Ah, alors. En combat, vous pouvez choisir quoi faire à l'aide du menu des commandes situé sur le coin inférieur gauche de l'écran. Sélectionnez attaquer pour attaquer avec l'arme que vous avez équipée. Essayez un peu, ok. Ok. D'accord. Ok.
La jauge rouge, PV, ok, on peut se soigner donc. Plus, objet. Ah, mais c'est une blague! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Le mec il va prendre une galette de riz pendant qu'il se fight! Mais c'est une blague! Ah oui, parer. C'est bizarre par contre, on te demande de garder appuyé pour parer, c'est pas cool. Enfin, c'est bizarre, je vous expliquer après, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'en fait, il vous demande de garder appuyé sur rond pour. Ah oui, c'est du vrai RPG quoi! On récupère de l'argent, de l'expérience, etc., etc. Ah oui, c'est vraiment du RPG. C'est rigolo. Original. Ah oui, carrément, je m'attendais vraiment pas à avoir un PV. D'accord, je m'attendais vraiment pas à avoir un truc comme ça façon RPG, quoi. Ok. Donc il vous... Ah, il a tué, carrément. Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, il vous demande de garder appuyé sur rond pour parer. Comme si jamais tu savais qu'il allait te taper et que tu devais parer. C'est bizarre. Bon, on va voir. Mitsuyo et un de la même. D'accord, ils sont tous du clan Tojo, quoi. Ils sont tous dans le même clan. せっかく取った金を。そうだよ。わざわざこいつに騙された崖を全員見つけて。そうだっつってんだろ。俺。わかりました。の。そうだ、水。ここどうなってる。メリケンサックで不意打ち食らっちまってな。 完璧できちゃってますな。ちげえ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだよ。せっかくいい形言ってきたのによ。そんなこと言ってる場合ですか。あれ、こっちの方も整えたら、すいません。顔面にも何発か食らっちまった。かっこつかねえぜ。 いつものことじゃないですか。兄貴、ド M ですから。ド M？俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的にボコりまくるようなことしないっすよね。様子見ながら戦ってるっつうか。ああ、そのことかい。前から不思議だったんすよね。プロレスじゃねえんだし、敵の技受ける必要ないっしょ。 確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。なんか俺に合わねえっていうか、それって勇者っぽくねえんだよ。勇者？おう、俺はよ、勇者のつもりで戦ってんだよ。喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよ。ドラクエの世界が。うわ、またドラクエっすか。兄貴どんだけ好きなんすか。 悪いかよ。いいだろう。そっちの方が頭になりに出るし、全力出せんだよ。勇者って、俺たちはヤクザですよ。沢城の頭もいつも言ってますでしょ。やられたら終わりだ、先にやれって。今の話聞いたら、またどやされますよ。ちりとり程度のしのぎで殺しなんかしちまったらそれこそ終わりだろう。ほら。 荒川のおやっさんがいて、頭がいて、おめえがいる今の暮らしが好きなんだ。それを壊すようなことはしたくねえ。もうあの頃みてえな。どん底には戻りたくねえからな。あの頃って、何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずっと遊んでいたガキの頃の話すか。ま、そのおかげで今の俺があるんだけどな。 春日が一番手人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできてんだ。人生の教材ってやつですか。なんか俺もやりたくなってきたな、ドラクエ。おお、やれやれ。ただし
騙されたガキどもに金を返してきた後でね。あ、そうでしたね。Putain, j'ai le droit de le dire que je me fais chier ou pas là? Putain, oh, c'est soporifique quoi. C'est trop long, beaucoup trop long. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Ah, oh, c'est pas fini. Ichi, mise ni kite hoshii tte yo. Michio mama ga? Ore ni nan no yo da? Sore wa shiran ga ne. Tonikaku tsutaeta ze. Mama ga nanika no trouble ni makikomareta no kamoshire ne. Bon, on va voir un truc, j'espère. Hop, voilà. Alors, il y a une map. Très bien. Enfin! Enfin, les amis, enfin! Alors, voyons voir un peu. La map, elle est là. Donc, il y a la map qui est. Elle n'est pas immense, hein, faut dire ce qui est pour le moment. Ça représente plutôt un petit quartier. Un petit quartier. Ok. Ok. Bon. La map L1, qu'est-ce qu'il me dit L1 si je fais L1. T'es con ou quoi? J'appuie sur L1, pourquoi il se passe rien? Ah oui, d'accord. L1 c'est pour faire apparaître. Ok. Bon. Alors. Ah, tu peux jouer à un mode FPS. Ah, tu peux mettre en mode FPS. Ça c'est bien. Enfin, c'est bien. Pour ceux qui aiment les FPS, moi j'aime pas trop. Ah, ils ont des masques. Eh, hey, Covid. Covid. Donc là, tu cours en faisant croix. Ok. En faisant carré, il se passe que dalle. Triangle. Est-ce que je peux prendre une bécane? Non, a priori, non. On peut pas prendre de bécane encore. Parce que j'ai vu des vidéos dans lesquelles on pouvait potentiellement prendre des... Ah oui, d'accord, la map elle tourne pas, elle est fixe. Ah, ça c'est chiant. La map est fixe, c'est casse-couille. Ok, rond, triangle, il se passe rien. L1, R1, bon, L1 ça fait cacher. R2. Ok, R2 c'est comme X, ça fait courir. Ok, et après, si je fais. Téléphone qu'on ne peut pas activer encore, gauche, droite, ok. Ouais, la map c'est perturbant par contre, faut tout vous dire. Attendez, alors on va jeter un coup d'œil où c'est. Au pire, c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. C'est loin, c'est loin. Bref, on va le faire courir. Visuellement, c'est de la PS4. Franchement, c'est de la PS4. Et. Ah mince, je fais comment pour aller là? Quoi, je dois aller où? Attends, si je rentre là-dedans, il se passe quoi? Bonjour, non, je veux sûrement pas aller chez vous. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelle est ma quête en fait? Quelle est ma quête? Ah oui, d'accord, là je. Ah oui, d'accord, il faut que je fasse ça, 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 ça et que je rentre là-dedans. D'accord, ok. Tiens, faut le savoir, hein. D'accord. Et là, je tourne à gauche. Excusez-moi, monsieur, dame. Ouais, donc visuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Franchement, c'est de la PS4 à peine améliorée. Après, bon, c'est un pseudo open world, donc voilà, hein, ça passe. Hein. Et à côté de ça, bon, il y a. Ouais, le personnage est extrêmement raide. Honnêtement, on dirait qu'il s'est pris un balai dans le. Là où ça fait mal. Bonjour, excusez-moi, je passe ici. Voilà, hop là, on va passer par là, excusez-moi. Bonjour, 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 ça vous dirait de vous pousser, merci. Oui, je sais, je suis proche. Hop là, hop là. Ouais, la map est pas très intuitive, j'aurais aimé avoir une map qui bouge en fait. Voilà. Syntax error, c'est rigolo. Yo, Ichi! Ah, mamie est bourrée! Fait 25 minutes, on n'a rien fait. Hein. Oh,
va essayer de continuer un petit peu quand même, parce qu'il se passe pas grand chose. Je suis pas très froid chez eux pour un 31 décembre. Bon. Mon Dieu, l'alcool et ses ravages. D'accord. J'aimerais tellement faire quelque chose d'intéressant. Style ranger mes chaussettes. Pourquoi pas? Elle va te vomir dessus, tu vas voir. Alors, la personnalité de Kazuga peut évoluer en fonction de ses actions. Il s'agit d'un ensemble de caractéristiques qui le définissent en tant que personne. Les affinés lui permettent de gagner différents atouts et bonus, débloquant par exemple de nouvelles fonctionnalités ou lui permettant de parler à certaines personnes. Voilà. Voici les traits des personnalités, passion, confiance en soi, charisme, gentillesse, intelligence et style. Essayez de participer à diverses activités pour développer Kazuga au maximum. Ça veut dire, ok, si j'ai bien compris, tu dois lui faire faire plusieurs activités différentes, aider les gens, j'imagine charisme, passionné, le style, s'habiller, confiance en soi, c'est ouais, ok, d'accord. Donc tu dois faire plusieurs activités pour faire grimper ton personnage de ses caractéristiques. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ok. タケオのおっちゃんよ。道をママは酔っ払ってるだけじゃねえか。今更何言ってんだ。この20年、白黒ママなんて見たことねえよ。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。桃源郷で何があったの？アンフェイン。ワードアクション。詳しくは分からんが、ソープなんだから色々あるだろう。 Bah oui, va voir, va régler le problème de cette ville, Superman. Alors, ok, c'est pas très loin. Tac, 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 tac. Oh, ça va, tais-toi donc. Oula, oui, c'est ça. Ouais, la map est très perturbante, hein, franchement, c'est assez perturbant d'avoir une map fixe en fait. Hein. Hop. Oh, Ichi, il est là. Il est là. Mais non! Non, mais c'est une blague! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Faut trouver la vieille dame du bar. Oh putain. Ok. Ouais, la map est extrêmement perturbante, je dois vous l'avouer. Je vais aller au bar, je vais récupérer une balle à chiottes et je reviens pour déboucher ces chiottes. Putain, c'est quoi ce jeu? Oh. Ah, les dialogues ne sont pas tous mis. Heureusement, on va poser. Pourquoi est-ce que je devrais payer une taxe? Allez, file-moi ton pognon. J'ai jamais rien entendu d'aussi débile. Barrez-vous de là, bande de guignols. Hein? Mais t'es qui, toi? Je me balade, c'est tout. Vous pouvez pas laisser les gens tranquilles pour le nouvel an? Désolé, mais on prend jamais de congé, nous. Si tu cherches à faire couler notre petite affaire, on va s'occuper de toi. Sérieux? J'ai trop peur.
Kamuracho, ouais, Ramucho. Mauvaise réputation à cause des types comme vous et vous, ça, et ça me fout les nerfs. Arrête de te la péter, et puis merde, tant pis pour toi. On va te casser ta gueule. Enfin, on va se friter. Ouais, homme menaçant. Mon dieu, mais c'est quoi ce jeu? C'est une blague? C'est un sketch? Oh, il a des super pouvoirs! Ah oui, le mec il a des super pouvoirs carrément. Tu vois, j'ai dit parade parfaite, appuyez au moins. Mais j'arrive pas à parer, t'es con ou quoi? Oh, mon dieu, mais c'est pas extrêmement intéressant. Et encore, je suis gentil parce que c'est. C'est pire que pas intéressant. Les gens se bourrent, ils font n'importe quoi avec leur argent, les petits voyous sont à l'affût, alors sois prudent, d'accord? Entendu, merci beaucoup. Homme timide à lunettes. Il faut que j'aille voir le vieil dame au tabac si je veux un déboucheur de chiottes. Non, le chiottes, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Alors attends, voyons, on va rouiller le bar. Tac. Allez, on va au chiottes. Excusez-moi, je suis pas d'ici. C'est pas possible. J'espère que ça devient plus intéressant après, mais ça va, il va me faire lâcher la rampe avant. 32 minutes, on n'a rien fait, à part essayer de déboucher les chiottes, quoi. いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろ。バカ野郎、俺は荒川のおやっさん以外と杯交わす気なんか1ミリもねえよ。従順なこった。 そういや、いち、ちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守係になったんだってね。言葉に気づけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ。時代劇じゃあるまいし。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で、車椅子が必要なんだよ。 だからってガイスのたびに組員に面倒見させるのかい？荒川もガキのこととなるとケツが青いね。ババア、それ以上おやっさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。ああ、三つ、高校生に金返してきたか？はい。 Bon, vous savez quoi, on va passer, parce que là ça devient trop chiant. Ça fait un moment que j'aurais dû le faire, mais là c'est beaucoup trop chiant. Mon dieu, mais il y avait trop de trucs à voir! Ah, je suis désolé, je suis obligé de passer les cinématiques, c'est pas possible. On a fait 35 minutes, il s'est rien passé. Et en plus, je vais dans le mauvais sens. Mais c'est bien chiant. Oh, tais-toi donc. Pourquoi tu t'en vas à courant? Tu aurais pas pu le suivre? Il partit en même temps que toi. Con de mime. Putain, il est grand, lui. Oh, Hiratsuka, t'es autre chose. Il va se lever, il va te faire trois. Tu vois bien que tu as traité contre lui.
C'est trop long, beaucoup trop long, je suis désolé. Beaucoup, beaucoup trop long. Il est bourré ou quoi? C'est quoi cette blague? Oui, j'ai faim, je mange un peu de saumon, c'est bon pour la santé. Non, mais c'est pas possible. Ce jeu, c'est pas possible, je suis désolé. Pourtant, c'est un jeu qui a marché, qui a cartonné, hein. Si je dis pas de conneries, c'est un jeu qui marche plutôt bien, qui a eu de bonnes notes. Enfin, de ce que j'ai vu. Bah, c'est trop chiant. On va couper, de toute façon, on va couper, je ne supporte plus, c'est... Putain. Voilà, super, c'était génial. Waouh, c'était génial, j'ai perdu 40 minutes de ma vie, c'est top. Waouh, merci Sega. Sega, c'est plus fort que toi. Rembobine-moi le film, stop, rébuffé. Ah, je suis désolé, hein. Je suis sincèrement désolé, mais là je peux pas. Des cinématiques, à plus... c'est pire que Final Fantasy. Et Final Fantasy, à la limite, les cinématiques sont jolies. Tu en prends plein les mirettes, là... T'as m'a saoulé. Donc les amis, on va se quitter sur ce jeu qui est absolument chiant, mais chiant. C'est pas possible de faire un jeu aussi casse-couille, aussi soporifique. Alors je suis désolé, j'ai coupé maintenant et peut-être qu'après ce sera super intéressant. Mais là au début, je l'ai dit dans une vidéo récente sur un jeu qui était plus ou moins similaire. Quand on fait ce genre de jeu, où il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de machins, il faut appâter les gens. Il faut les faire venir. Parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir à les appâter. Là, c'est trop soporifique, c'est trop ennuyeux. Donc là, c'est... Voilà. Moi, personnellement, ça m'a coupé les pattes, ça m'a pas donné envie. Donc je coupe et je ferai une autre vidéo, une autre fois, sur un autre jeu. Parce que là, ça ne m'intéresse absolument pas. Dites-moi, pour vous, qui l'avez testé sur PS4, je crois qu'il est sorti sur PS4, sur PC ou d'autres plateformes, n'hésitez pas à me dire si, effectivement, c'est toujours aussi chiant, ou si ça devient un petit peu plus intéressant avec le temps. Parce que là, c'est clairement... pas pour moi. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, somme toute assez longue et ennuyeuse. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si la vidéo malgré tout vous a plu. On se dit à très bientôt pour une aventure. Salut à tous.